Adieu. Allez, on est bon, super. Notre émission s'appelait À vous les jeunes. Elle permettait de donner la parole à la jeunesse. Et donc, on recevait plusieurs invités plateaux toutes les semaines. Donc, chaque semaine, on choisissait une thématique, souvent le lundi. Puis, on avait toute la semaine jusqu'au jeudi pour se préparer. Puis après, le vendredi, on passait à l'antenne pour parler de musique, d'engagement, de sport et plein d'autres sujets autour des jeunes. Donc, c'est vrai que pendant 2 mois, j'ai entendu que de l'occitan partout. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas encore au point, quoi. Adieu. Oui, donc j'ai rencontré Rio Mayo, j'ai eu un super bon feeling avec lui. On a beaucoup échangé sur le sport, qui est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc il y a beaucoup de projets normalement qui arrivent avec lui. Alors à chaque fin d'émission, je laissais une minute de temps de parole à nos invités. Et ce qu'on dit, ce coach et ce sportif, c'était l'importance qu'avaient les médias locaux pour parler de sujets dont on n'évoque pas tout le temps dans les médias. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu dans ce stage et ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier.